personnellement. Moi, je préfère vivre avec la tête. Ce que vous voulez dire, c'est que l'enfer n'est pavé de bonnes intentions. Exactement. Voilà. Et qui fait l'ange, fait la bête. Dit Pascal, voilà. On connaît. Et elle connaît aussi. Pascal. On cite trop de gens. On ne peut pas parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Oui. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous sous-entendez quoi avec ça? Il y a que vous me reprochez de citer des auteurs. Très bien. Je préfère citer des auteurs que me les approprier sans les citer. Et ensuite, c'est pas de la vanité. C'est simplement que j'estime du respect pour ces auteurs que je respecte. Et ensuite la phrase. Excusez-moi moi d'avoir lu des livres. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend pas que moi je n'ai rien lu. Ah non, ça sous-entend. Très bien, d'accord, merci. Je sais rien ce que vous avez lu. Merci, c'est bon. Alors, arrêtez. Alors, parce que, comme vous me dites, excusez-moi d'avoir lu, vous sous-entendez que moi je n'ai pas lu. Vous le sous-entendez. Je ne sous-entends rien du tout. Si, c'est vous qui le voyez. Derrière pas moi. Ce petit rire hypocrite se cache vraiment rien de méchant. Arrêtez, monsieur Zemmour, parce que j'ai beaucoup lu. Et c'est pas parce que j'ai grandi en cité et que j'ai le teint basané que je n'ai pas lu. J'ai moi aussi dans la tête. Mon cher ami, secouez-la. Ça marche pas. Et moi, monsieur. Moi aussi, j'ai grandi en banlieue. Donc secouez-la, elle ne marche pas. Je suis à Montreuil. Excusez-moi. C'est très embêtant pour vous, mais c'est comme ça. Allez, le bisou. Ça me rend fou encore, parce que encore aujourd'hui, avant à la limite, avant d'être connu, j'étais vraiment, toi l'Aziz, tout ça. Maintenant, je suis plus trop un arabe quasiment. Non, et aujourd'hui encore, malgré tout, dans des émissions, comme ça, il y a encore des gens qui me disent, j'ai lu plus que toi, mon gars. J'ai rien dit. Non, mais je dois avouer, c'est choquant. Mais j'ai rien dit. C'est choquant. C'est vous qui m'avez choqué. C'est choquant. Allez-y, la table est immense. Mes enfants, étalez-la. C'est la dernière émission de la saison.